Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour deux make-up de fête super faciles. Donc, je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé un smoky à paillettes facile pour les fêtes. Donc, je m'exécute, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous faire deux make-up super faciles avec à chaque fois une variante supplémentaire qui sera totalement optionnelle, n'est-ce pas? Et pour ce faire, je vais utiliser la palette Escape puisque je ne l'ai pas réutilisée depuis le swatch in make-up que je vous remets en barre d'infos. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel. Hein. Voilà, je vais utiliser deux fards, enfin trois. J'ai utilisé trois pailletés pour les deux make-up. Et pour le premier, il vous faut tout simplement un fard pailleté au choix, un liner pailleté ou un fard liquide pailleté, enfin voilà, ou des paillettes libres et vous mettez de la colle et un jumbo noir. Voilà, on ne fait pas plus facile. Donc, je me rapproche et on attaque le premier make-up. Alors, très simple, pour un smoky facile, vous utilisez un jumbo ou un crayon noir, voilà, tout simplement, ou un fard noir. Hein. Il a un petit souci, mon charme pas. Donc, on commence par en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. On noircit bien les ras de cils, quoi. Donc, c'est pas grave si vous débordez. Hein. On noircit déjà le ras de cils. On fait bien partout. Et on estompe au doigt. Donc vous verrez que même question matérielle, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il vous faut deux doigts. On fait pareil sur la paupière mobile. Et on utilise le même doigt pour bien blender. Alors l'avantage des paillettes après, c'est que même s'il y a des zones où c'est pas super opaque et tout ça, ça va totalement cacher. On essaye de quand même de bien blender. Ensuite, je prends un doigt propre pour continuer le blendage. Donc, on réintensifie le ras de cils s'il y a besoin. Voilà, on essuie ces petits doigts. Je vais prendre une lingette, ça sera plus simple. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend la fameuse palette, le fard pailleté, ce que vous voulez. Et je vais prendre le fard obscur qui est ici. Donc, je le prends toujours au doigt. Je tape pas ton doigt. Et je le mets partout où j'ai mis du noir. Oh, il est magnifique ce fard. On met la dose. Hein. Ouais. Donc j'hésite pas à déborder un peu. Je prends un pinceau pour le ras de cils. Donc oui, quand même, j'utilise quelques pinceaux. Hein. Le même fard. Et j'en mets également sur mon ras de cils. Et un pinceau estompeur pour flouter si j'ai un peu débordé. Pour flouter le bord du fard partout. Alors je prends un petit pinceau pour le coin interne et je prends du coup le 40 ou 70, je crois que c'est, ou 30, tout, non, je sais pas lire, 34 ou 70, voilà, donc c'est le rose. Je vais m'en servir dans le coin interne, voilà, et avec un pinceau plus souple. Donc, je vais prendre un pinceau highlighter parce que je vais le mettre aussi en tant qu'highlighter. Mais je cherche. Je prends le même fard. J'en mets sous mon arcade. Et en tant qu'highlighter. Et c'est somptueux. Donc, mascara, rouge à lèvres. Et on va pouvoir passer. Donc, je fais d'abord de pareil de l'autre côté. À la variante. Donc voilà ce que ça donne pour le smoky simple tout seul. Sur les lèvres, j'ai mis le D6 de Gerrestar. Et voilà. Donc pour la petite variante amélioration qui est totalement optionnelle, je vais rajouter des strass et je vais prendre ceux-ci qui sont holographiques chauds. Je pense. Non, il y a trop de jaune dedans. Non, je vais prendre les classiques cristal. Bien sûr, c'est totalement optionnel. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Moi, j'ai envie. Donc, je prépare ma petite colle bio dans mon petit tips pour les ongles.
Et je suis bien contente de ma petite astuce, là. C'est très pratique. Après, vous jetez le tips, tout simplement. Je prends un dotting tool et je vais donc coller des strass à droite à gauche, mais principalement au niveau du sourcil. Donc, je vais déjà en mettre 3 ici. Parce que j'ai envie. Donc, il y a différentes tailles. Donc, je vais commencer par des pas trop gros à ce niveau-là. Ok, on continue. Je vais en mettre 3 ici au-dessus. Et on va en mettre, bien sûr, ici en dessous. Voilà. Bah, écoutez, je pense que là, c'est pas mal. Donc, je fais pareil de l'autre côté en dessous. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, on pourra passer au make-up facile numéro 2. On peut passer au deuxième make-up super facile. Donc toujours avec la palette Indie. J'espère que ça sera actif d'ici là. Je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Déborah, qui est la créatrice de la marque Adeso, m'a proposé un code promo pour vous. Donc je ne l'ai pas encore, mais je vous le noterai en barre d'infos. Si vous voulez en profiter pour vous acheter la palette Indie et le mascara que j'aime beaucoup, qui est ici. Il est génial ce mascara. Franchement. Donc voilà, je suis trop heureuse de vous dire que j'ai un code promo spécialement pour vous et que je vous le note en barre d'infos en espérant que je l'ai bien reçu avant la sortie de la vidéo. Voilà, donc on va commencer très 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 simple. Je prends donc la palette. Je prends le fard Versailles pour faire mon coin interne. Non, pas Versailles, 34-70. Pour faire mon coin interne et je reprends mon gros pinceau avec le même fard et je tartine ça sur toute ma paupière en essayant d'en mettre un peu plus quand même hein. Et je le mets encore en tant qu'highlighter parce que il est juste sublime. Oh, c'est crop. Voilà. Ensuite, on prend le crayon noir, on en met dans les muqueuses, en ras de cils et on estompe avec le doigt, le ras de cils. Donc, j'essaye de l'étirer un peu en fumée dans le coin externe. Je prends mon liner, donc c'est le Cola de chez Glisten. Et je vais juste faire un trait de liner classique, assez épais quand même pour qu'on... Oh, merde. Je corrigerai ça après. Donc assez épais pour qu'on le voit quand même hein. Ensuite je prends un petit pinceau assez précis comme ça, enfin assez dense, et je prends la teinte Versailles donc avec la tranche que je mets par dessus le liner et par dessus le crayon pour faire un liner à palette. Et c'est magnifiquement magnifique, n'est-ce pas? Pareil en ratine. Ici, je descends un peu plus bas que le liner. Je vais quand même juste estomper un tout petit peu. Donc, je prends celui que j'ai fait mon coin interne. Donc, juste le ras de cils. Hein, le liner, vous estompez pas. Donc, voilà pour la première version. Je fais l'autre œil, je mets du mascara du rouge à lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on passe au petit plus qui est totalement facultatif. Donc voilà pour le make-up simple avec un liner. Je vous montre un peu plus près. C'est Treasury. Et sur les lèvres, j'ai mis le On Top des mini Huda.
voilà, que j'avais reçu de Maryse. Et vous voyez que le rendu du mascara, c'est la fête. Hein. Alors, pour la variante, comme je vous l'ai dit, c'est totalement facultatif. Ben, on va juste faire un double liner. Voilà, vous savez que j'adore ça. Donc, je reprends mon liner, Liston. Oui, c'est vraiment devenu mon liner préféré. Hein. J'adore travailler ce liner. Plus que l'essence, faut pas se demander. Donc, je vais faire mon creux. On viendra l'épaissir, bien sûr. Et je relis ici. Parce que j'ai envie. Donc, c'est juste une variante, mais c'est pas plus compliqué. Hein. Si vous savez faire un trait de liner, vous savez faire un creux. On reprend le petit pinceau et le fard Versailles. Et on fait la même chose. Donc je vous conseille de le faire avant que le liner soit totalement sec, qu'il accroche plus de paillettes. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle ressort vachement plus verte sur le noir que bleu. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, entre nous, soyez. Donc ici, j'en mets un peu sur la paupière en coin interne. Ici. Et voilà pour la deuxième variante. Je suis pareil de l'autre côté, je viens vous remontrer ce que ça donne et voilà. Donc voilà le deuxième look facile. Alors oui, c'est peut-être un peu moins facile pour certains, le double liner. Vous n'êtes totalement pas obligé de le faire. Après, ça fait tout de suite plus d'effet. J'adore ce genre de make-up. C'est ce que je fais le plus régulièrement de toute façon. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré et quelle version. Si vous préférez plus le smoky à paillettes sans strass ou avec strass, ou le simple liner ou le double liner. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et la palette, j'en suis toujours dingue. Rien que les trois lumineux en dessous. Alors celui-là, là, pour les smoky. Oh, je suis à fond ébaudi. Mais ébaudi niveau plus. Vous voyez, j'adore. Mais le Versailles, on n'en parle même pas. Et celui-ci, rien qu'en highlighter. Voilà. Donc, normalement, vous avez le code promo en barre d'infos. J'espère pour vous. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Donc, merci, Deborah. Et voilà, si vous voulez en profiter, elle est juste canonissime, cette petite palette. Alors, j'ai toujours pas fini l'escape game. Hein. J'ai toujours bloqué dessus. Mais j'ai pas été revoir un peu. Mais c'est fun à faire. Voilà. C'est très fun à faire. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain, qui sera le jour du réveillon. Ouh, donc demain, on se retrouve avec un mukbang pour ceux qui fêtent le réveillon seul ou en vous préparant. Voilà, ce sera un petit mukbang. Tout ce qu'il y a de plus simple, entre copains, copines. Voilà, on sera entre potes. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous.